Yo, tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une vidéo très spéciale car on va faire une vidéo tour de magie que tout le monde pourra reproduire chez soi comme on est en confinement. Du coup, c'est parti! Petit message important, mercredi sort une vidéo exceptionnelle, pas plus de mots et bonne vidéo! Bon, les gars, pour ce premier tour de magie, il va vous falloir une, deux, trois. 4, 5, 6. J'ai 6 pièces. Voilà. J'ai une prédiction que je. Hop, je mets ici. Voilà. Que je mets ici. Et le gobelet, il reste là. J'ai 6 pièces qui ont à chaque fois un symbole. Voilà. Et voilà, Laurent. Alors, je vais les secouer. Et toutes les pièces qui seront retournées, où on ne verra pas le symbole, seront alignées. Du coup, c'est parti. Alors, celle-là, là, est éliminée. Elle est retournée. Tac. Celle-là est éliminée. Celle-là qui est juste ici est éliminée. Et celle-là est éliminée. Plus que deux. Le triangle et le rond. Comme vous pouvez voir, le triangle est éliminé. Du coup, les gars, c'est le rond qui a gagné. Et nous allons tout de suite voir la prédiction qui est le rond. Bon, explication du tour de magie tout de suite. Bon, les gars, pour cette explication du tour de magie, et ben en fait, c'est très simple. Vous allez avoir, voilà, tac, tac, des symboles. Et tac. Parce que là, comme vous pouvez voir, les symboles, ils sont tac, 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 qu'une fois. Sauf sur le rond qui est deux fois. Du coup, le rond est obligé de gagner. Du coup, votre prédiction sera tout le temps le rond. Allez, on passe tout de suite au prochain tour de magie. Alors, pour ce tour de magie, vous avez juste besoin d'une pièce et de trois gobelets. C'est simple. Je vais mettre la pièce ici, dans ce gobelet. Vous allez devoir la retrouver. Voilà. Alors, pour vous, où est la pièce? Alors, elle n'est pas dans celle-là. Elle n'est pas dans celle-là. Elle n'est pas dans celle-là. Où est la pièce? Explication directe. Alors, pour ce tour de magie, ça va être très simple. Vous allez avoir besoin de deux gobelets et d'une petite pièce qui est là. Vous allez mettre votre pièce sous un gobelet et vous allez faire semblant de mélanger les gobelets. Sauf que là, ce gobelet, vous allez venir le rafler, tac, ici, pour que votre pièce tombe sur vos genoux. Et après, voilà. Le tour est fini. Allez, passons au prochain tour de magie. Alors, ce tour, j'ai trois boîtes d'allumettes. Alors, regardez. Ici, il y a des allumettes. Ici, il n'y a pas d'allumettes. Et ici, il n'y a aucune allumette. Alors, on va mélanger, vous êtes. Tac. Rappelez-vous de la boîte d'allumettes.
Où est la boîte d'allumettes? Alors, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est là. On va retenter. La boîte d'allumettes est là. On va remélanger. Où est la boîte d'allumettes? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est là. Eh bien, on va pouvoir passer au tour aux explications, pardon. Alors, pour ces explications, c'est très simple. Il va falloir vous cacher une boîte d'allumettes ici, qui est pleine. Et là, vous avez juste à remuer. Toutes les boîtes d'allumettes, bien sûr, sont vides. Il vous faudra des petites boîtes d'allumettes. Mais on peut se les fabriquer. Du coup, voilà. Vous faudra juste besoin de remuer ce bras pour qu'il y ait l'allumette et de remuer ce bras pour qu'il n'y ait plus l'allumette. Du coup, regardez. Il y a l'allumette. Il n'y a pas l'allumette. Il y a l'allumette. Il n'y a pas l'allumette. Voilà. Allez, on passe au prochain tour de magie. Alors, voilà. J'ai une pièce. Et un petit jeu. Je vais venir, hop, à lever pour y mettre la pièce parce que. Hop, je vais venir, voilà, y placer la pièce. Regardez, je vais venir y placer la pièce. J'ai bien placé la pièce. Hop, bien sûr, je viens tout refermer avec les. Petit. Petit. Élastique. Voilà, c'est bon. On referme avec que pour être plus sûr. Ah. Et j'arrive à fermer. Petit problème technique. Voilà, c'est bon. Ah non. Voilà, c'est bon. Hop, on dit tac et tac et tac et tac. Ah. Et tac, voilà. Tout, elle est impeccable. Voilà la pièce qui est entamée, elle ne peut pas sortir. Alors moi, j'ai juste ça, 2, 3, et la pièce s'est en allée. Alors nous allons passer direct aux explications. Alors pour ces explications, ce jeu n'est pas dur à réaliser, mais on ne pourra pas le réaliser comme ça, il va falloir l'acheter. À part si vous êtes très bon bricoleur, mais pas comme moi, mais moi je suis pas du tout bon bricoleur, du coup je l'ai acheté. La pièce sera à l'intérieur, regardez. La pièce est, voilà, elle est à l'intérieur. Et vous allez juste devoir, tac, écarter comme ça. Appuyer sur les deux faces, et faire ça. Et la pièce se sortira. Vous allez devoir, avec votre pouce et votre index, appuyer. Ça fait voilà, alors tac, et ça ouvre pour que la pièce puisse sortir en vitesse. Oups, en vitesse, ça donne. Oups, je me suis loupé. Ok, en vitesse, ça donne ça.
Allez, dernier tour de magie. Alors, pour ce dernier tour de magie, alors, c'est parti. Vous voyez, il n'y a rien. On a un paquet de cartes. Hop. Tiens, un beau paquet de cartes en plus. Je vais essayer de sortir une carte. Ah, 7 de pique. Bon. Quand on ne veut pas se faire voler son paquet de cartes, c'est très simple. Il vous suffit juste de faire comme ça là et de ranger votre paquet de cartes. Et votre paquet de cartes est à l'abri. Voilà. Explication du tour de magie tout de suite. L'explication de ce tour de magie, c'est très simple. Regardez, tac, il y a un paquet de cartes qui est en fait un paquet de cartes. Quand vous rentrez, hop, c'est complètement noir, sauf que après, voilà. Voilà, alors oups, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas à vous abonner, liker et commenter, surtout à vous abonner, ça serait le plus important. Et du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.